fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis extrêmement content de faire. Là je me suis réveillé pour l'occasion, j'ai même réveillé Lily Rose pour l'occasion. Alors elle a pas... Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que ça commençait déjà. En gros, elle a pas voulu participer tout de suite. Elle m'a dit, j'arrive au bout de 2 minutes si je vois que ça se passe bien. Parce qu'en gros, hier, avec Lily Rose, on traînait sur internet et on a trouvé un site ultra étrange. Un site qui, soi-disant, répertorie. Donc, un site où, voilà, il y a plein de numéros avec les soi-disant pires numéros de téléphone d'internet à ne surtout pas appeler. Donc ce que je vais tester avec vous, alors bien sûr je ne vous donnerai pas les numéros, il ne faut pas appeler des numéros que vous ne connaissez pas, il ne faut jamais faire ça parce qu'il y a plein de gens qui en profitent pour mettre des numéros payants et puis même vous pouvez tomber sur des gens que vous connaissez pas et c'est pas bien du tout. Donc faites très attention à vous, appelez uniquement des gens que vous connaissez, voilà. Et du coup j'ai acheté pour l'occasion une nouvelle carte SIM, etc. Et je vais appeler le pire numéro d'internet qui s'appelle le numéro JJ. Alors, ça s'appelle vraiment comme ça, le numéro JJ Blow. Voilà, donc c'est vraiment ça. Je sais pas à quoi ça correspond. Il y avait juste une légende avec écrit « Si vous appelez ce numéro, vous verrez des phénomènes paranormaux se dérouler devant vous. » Et ce numéro était classé 10 sur 10. C'est-à-dire que quasiment toutes les personnes qui l'ont appelé ont vu des choses étranges. Donc c'est parti, je vais juste allumer la lumière. Parce que, voilà, comme ça s'il y a quelque chose, normalement on le verra. Allez, c'est parti. Donc je vous montre pas le numéro. C'est bon. Allô ? Allô ? C'est bizarre, il n'y a rien. Je suis en train d'appeler là. Allô ? Allô ? Mais c'est bizarre, il n'y a rien. Non mais je suis pas... Attends. Chut. Ça vient pas du téléphone, ça. Ça vient de la porte. Attendez les amis. Je vais éteindre la lumière. Attendez, j'arrive. Non mais je vous dis qu'il n'y avait rien au téléphone. Il n'y a que des bruits dans la vraie vie. C'est un truc de fou. Attendez, je sais pas ce que je dois faire. Oh, j'ai vu un truc dans le miroir. Attendez, je dois faire quoi là? Dites-moi ce que je dois faire. Je vais allumer la lumière. Y'a quelqu'un? Est-ce que c'est vous, Gigi Bowl? Gigi Blow? C'est vous? Eh oh! Y'a quelqu'un derrière la porte? Oh, mais c'est quoi ça? Vous êtes qui? Vous m'avez appelé. Comment ça, vous m'avez appelé? C'est le numéro secret. Oui, oui, j'ai appelé un numéro, mais je pensais que c'était du fake. Je pensais que c'était pour de faux. Eh ben non. Comment ça, il faut payer maintenant? Comment ça, il faut quoi? Il faut payer. Vous m'avez appelé. Mais c'était un numéro gratuit. Je vais pas vous payer. Pour que je parte. Et puis, qu'est-ce que vous faites chez moi là? Vous m'avez appelé. Vous m'avez invité. Lily Rose. Vous m'appelez, c'est que vous m'avez invité. Lily Rose, viens. Ça ne sert à rien de s'enfuir. Ça sert à rien de s'enfuir? Vous resterez ici jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous me donnez quelque chose de précieux. Non mais vous voulez quelque chose de précieux? Non mais vous rêvez. Moi je voulais juste faire une vidéo. Je ne partirai pas avant. Je voulais juste faire une vidéo YouTube où je montre que ça sert à rien d'appeler des numéros hantés parce que ça marche pas. Il ne faut pas appeler ces numéros. Je pensais pas que ça allait marcher. Eh bien si. Il faut payer maintenant. J'arrive, j'ai cherché. Asseyez-vous dans le lit, j'arrive. Je vais chercher quelque chose de précieux. Je vais chercher quelque chose de précieux. Punaise. Les amis. Je pensais que ça n'allait pas marcher. Justement, je voulais vous montrer que ça marchait pas et que ça servait à rien d'appeler ces numéros. Enfin, de toute façon, je maintiens. Surtout, n'appelez pas ces numéros. La preuve, il y a quelqu'un de bizarre là qui est rentré. Je sais même pas comment il est arrivé. Et Lily Rose, elle répond même plus. Il ne reste plus que 4 minutes. Oui. J'arrive. Je cherche. Bon, les amis, il va falloir que je trouve une solution pour le faire fuir d'ici. Je sais pas s'il y avait autre chose sur le site. Attendez. Numéro de sorcier pour faire partir les mauvais esprits. Oui, c'est ce qu'il me faut, ça. Mais ça tombe, il va encore demander que je le paye, lui. Bon, les amis, je vais essayer d'appeler ce numéro-là. Apparemment, c'est un sorcier enleveur d'esprit.
Allô? Allô? Oui. Oui, oui, est-ce que... Comment ça, vous connaissez déjà mon problème? Ah oui, vous savez tout. 3 minutes. Ah oui, 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 j'arrive. Oui, bah là, il me laisse que 3 minutes pour lui rapporter quelque chose de précieux, mais j'ai rien de précieux chez moi. Comment ça? Il faut lui donner des objets magiques, et ça suffit. Ok. Ok, ok, je suis vos conseils, merci. Et vous, vous êtes gratuit, par contre. Ah oui, oui, vous rendez service gratuitement. Ah bah c'est parfait. Ok. Bon, les amis. Oh, bah tiens, je vais lui donner ça. Le bâton de la sorcière. Ça, c'est un bâton magique qui permet de jeter des sorts. Ah, ça devrait le satisfaire. Je m'impatiente. Bon. Alors, je vous ai peut-être trouvé quelque chose. Oui, oh voilà. Là là. C'est un bâton magique. Attendez, qui a servi à une sorcière. Et normalement, avec ça, vous pouvez jeter des sorts. Effectivement, c'est un bâton de sorcière. Il est, vous est très précieux. Oui, bah il est précieux, oui, parce qu'il permet de jeter beaucoup de sorts, vous il savez. Il appartient à une sorcière. Oui. Oui, et tout à fait. Elle nous l'a donné? Oui, elle nous l'a donné. Et maintenant, si, il est à vous si vous partez. Ok? Vous avez de la chance. Oui, je sais qu'on a beaucoup de chance, oui. Mais ce bâton, on ne le retrouvera plus, enfin... Vous allez le prendre, c'est ça? Oui, allez, vous pouvez le prendre. Vous avez beaucoup de chance. Oui, oui, allez, je sais. Sinon... Allez, oui. Oui, oui, on a beaucoup de chance. Bon, allez. Allez, oui. Et surtout, ne rappelez plus ce numéro. Oui, 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 oui. Il a pris le bâton de la sorcière. En fait, je suis à la fois très content, mais à la fois pas content, parce que ce bâton, il nous servait beaucoup pour jeter des sorts. Je sais pas comment on va faire sans ça. Bon, je sais pas comment on va dire à la sorcière qu'on a donné son bâton à un mec bizarre, là, du numéro hanté. Je vais appeler Lily Rose pour lui dire ce qui s'est passé. Allô, Lily Rose? Ouais, ouais, c'est bon, tu peux descendre. Il est parti, je crois. Il y a vraiment un gars qui est venu à cause du numéro. Comment ça? T'as vu? Tu l'as vu courir dans la rue? Ok, ok. Et il avait le bâton dans les mains? Il a... Comment ça, il avait pas de bâton? Mais je lui ai donné le bâton de la sorcière pour qu'il parte. C'est bizarre, ça. Il serait parti sans le bâton. Mais il est... Hein? Le bâton! Il est là! Mais... Il est parti sans le bâton? Attends, mais il est... En plus, il est vraiment parti, quoi. Il est vraiment parti, il est plus là. Attendez, je regarde par la fenêtre. Il a vraiment disparu. C'est vraiment étrange. Pourquoi il serait venu en demandant un objet précieux et il serait parti sans le bâton? Franchement, les amis, je comprends pas. Des fois, les créatures hantées comme ça, c'est vraiment très, 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 très étrange. Bon, en tout cas, les amis, bah voilà, hein, c'est une bonne leçon. N'appelez pas n'importe quel numéro, surtout, si c'est la morale de l'histoire, n'appelez que les gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Et... Mais qu'est-ce que vous faites là? Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et surtout, le plus important, allez voir notre dernier clip, Kangoo Jump, ou une autre vidéo sur cette chaîne. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et on se dit à tout de suite pour les meilleurs. Au pire, à plus.